الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره وسار على منهجه ودربه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، حياكم الله جل وعلا وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله تعالى مع علم عظيم، بل هو أعظم العلوم عند الله جل وعلا وأعظم العلوم عند نبيه صلى الله عليه وسلم وأعظم العلوم عند الصحابة رضوان الله عليهم. ما هو هذا العلم؟ Aujourd'hui avec une science qui est la meilleure des sciences considérées chez Allah تبارك وتعالى. La meilleure, numéro 1. Et la meilleure des sciences considérée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi les compagnons. C'est quoi cette science-là? Ma huwa a'zamu ilm. Huwa afdalu ibadah. C'est la meilleure des adorations aussi. Ajibu, répondez-moi. Ilmu at-tawhid. Barakallahu fikum. Ilmu at-tawhid. Far'un min furu' al-'aqidah. C'est une filiale ou une filière parmi les filières du dogme du croyant. Al-aqidah, on a dit, c'est le dogme. Hein? On a dit al-aqidah, c'est ce qu'un cœur doit croire. C'est pour cela que les savants, ils ont rajouté près du dogme, près du aqidah, le dogme authentique. Car il y a des gens qui ont un dogme. Toute personne existant sur terre, elle a un dogme. Mais son dogme, il n'est pas pour autant juste. الكل يعتقد في شيء. فمنهم من يعتقد في الشجر ومنهم من يعتقد في البقر ومنهم من يعتقد في النار ومنهم من يعتقد في الحجر. Hein? Il y en a ceux qui croient au feu, il y en a ceux qui croient aux vaches, il y en a ceux qui croient aux pierres et ainsi de suite. Donc ces gens-là, ils ont un dogme, mais leur dogme, il n'est pas pour autant juste. Nous, on cherche le dogme authentique. نحن ما نبحث عنه هو العقيدة الصحيحة. تقول لي, tu vas me dire, mais nous on est des musulmans, on n'a pas besoin de ça, on le connaît déjà. Je te réponds de deux côtés, من وجهين. الوجه الأول وهو قليل من المسلمين خاصة اليوم قد سلموا فكانت لهم عقيدة صحيحة. Aujourd'hui, parmi les musulmans, peu des musulmans aujourd'hui, ils ont un dogme authentique. Ça ne vient pas comme ça du ciel. Comme ils disent quelques savants, pour être un médecin, qu'est-ce qu'il faut? Tu es assis comme ça, ça, on apprend la médecine, c'est juste impossible. Il faut qu'on apprenne comment devenir un médecin. Hein? Ou qu'on apprenne comment les médecins y travaillent, même si on n'a pas envie de devenir un médecin. ولكن يعني أنت مصيرك إلى الجنة أو نسأل الله العافية لنا ولكم أو إلى النار. Hein? Ton sort, il sera ou au paradis ou en enfer. Donc tu es obligé d'apprendre comment trouver ou comment avoir le juste chemin.
comment croire d'une manière juste et efficace comme Allah il l'agrée et il le rend satisfait. C'est ce qu'on appelle l'aqidah sahiha. Qu'est-ce que je dois croire? Qu'est-ce que je dois croire? Et aujourd'hui, comme on a dit, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans ces erreurs. Qui sont dans ces erreurs. On va dire non, il y a peu, c'est que les gens d'avant. Non, même les gens d'aujourd'hui. Même les gens d'aujourd'hui, comme on a évoqué à maintes reprises les exemples. Si une fille n'arrive pas à trouver un mari, la maman, la famille, les amis, les copines, les cousines, ils disent vas-y chez tel marabout, elle part chez le marabout. Elle part chez le mausolée. Hein? Elle part au bled pour faire de la sorcellerie, ainsi de suite. Ça y est, le dogme il a changé. Le dogme il a changé. Elle a fait du shirk billah tabaraka wa ta'ala. Even التوحيد هو أهم علم وأشرفهم لأن لماذا أشرفهم لأن التوحيد يعرفك بربك جل وعلا. التوحيد pourquoi c'est le plus honorable, c'est la plus honorable science, c'est la plus honorante, car elle te pousse à connaître la chose la plus importante qui puisse exister au-delà de l'univers, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc si tu arrives à connaître Allah, tu ne peux que l'aimer subhanahu wa ta'ala. الإنسان إذا تعرف على ربه لن يسعه إلا أن يحبه جل وعلا. Aussi, la deuxième des choses est qu'on a dit le plus grand péché qui ne se pardonne point, sauf si l'homme il se repent avant de mourir, on a dit c'est quoi? الشرك بالله. C'est l'association. لهذا كان أعظم علم هو عكس أعظم معصية. C'est pour cela que la meilleure des adorations et la meilleure des sciences, c'est le contraire de la plus grande désobéissance et le plus grand péché qui est shirk. Al-shirk, al-tawhid. Nadiru, al-tawhid. Son contraire, c'est al-tawhid. Ils ne sont jamais d'accord. Et donc, on ne peut pas dire la ilaha illallah et je pars chez le mausolée. Je ne peux pas dire la ilaha illallah et je crois à l'horoscope. C'est juste contradictoire. C'est juste impossible. Je ne peux pas dire la ilaha illallah et je dis non, je suis parti chez une voyante et elle m'a dit, wallah, juste comme elle m'a. Comme j'ai eu, elle me l'a dit. Elle m'a donné le nom de mon père. Je crois en elle. Tu crois en elle ou tu crois en Allah Azza wa Jal? Il y a des coulisses que toi tu n'as pas su. Elle, elle ne fait rien. La tanfa'u wa la tadur. Cette femme-là, elle ne rapporte ni un bien, ni un mal. Mais il y a des choses dans les coulisses que Allah lui-même a instaurées avec science et sagesse derrière cela. Il y a une sagesse derrière ce mal-là. Et toi, tu n'arrives pas à voir avec tes yeux. Et avec ton ignorance, tu as cru en cette femme-là. Maintenant, on revient. C'est pour cela que la plus grande science et la meilleure des sciences qu'on doit apprendre, c'est التوحيد. هذا من وجهين. الوجه الثالث, la troisième des choses, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, on a dit on aime Allah et on aime son messager, sallallahu alayhi wa sallam. خير الدعاة من, le meilleur des prédicateurs, le meilleur des invitateurs à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est qui? C'est qui? Alaykum salam wa rahmatullah. C'est qui le meilleur des invitateurs à Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam huwa ahsan wa khayru al-du'ati qatibatan bal khayru al-rusuli bal khayru al-khalqi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète c'est le meilleur des invitateurs à Allah. Et c'est le meilleur des prédicateurs. Et c'est le meilleur des messagers. Et c'est le meilleur des créatures. Cette meilleure créature, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qui? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ata liman. Hein? L'humanité. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ja'a min ajli al-jinn wal-ins. Ja'a yad'u al-jinn wal-ins. Il est venu pour inviter les djinns et les êtres humains, hein, à la vérité. Kaffat al-nas lil-alamin, à l'humanité, à toutes ces choses-là. Croyez-vous, une question, croyez-vous que sa manière d'inviter à Allah était improvisée sur le champ? Ou c'était aussi une science que Allah lui a donnée? يعني هل تظنون أن دعوة النبي شيء اخترقه في ذلك الزمان أم وحي من الله جل وعلا طريقة الدعوة la manière de comment inviter à Allah et non pas ce qu'il disait
La manière. Hein? Wahya. Hein? La yantaku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu shadidul quwa. Ce n'est pas, il dit rien de ses passions, sallallahu alayhi wa sallam. Certes que c'est une révélation qui est descendue et c'est Allah le puissant qui lui a appris cela. Idhan, nahnu, nadda'i annana nuhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on prétend l'aimer, sallallahu alayhi wa sallam. Bah, comment ça se fait que 1400, 1500 ans après, lui l'a invité de cette manière à ce chemin-là? Et moi, maintenant, je viens, un minus, je ne connais rien de cette religion-là, et j'invite à Allah de cette manière, avec ce chemin-là. Vous avez compris ? Vous n'avez pas compris. Ya'ni, da'watul rusul, da'watun wahida. La manière et l'invitation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire la manière comment les prophètes et les messagers ils l'ont fait, est une manière unique. Ils invitaient à la même chose de la même manière. De la même manière. Et le prophète, il a ramené un complément. Mais ça a toujours été de la même manière. Toi, maintenant, tu es en train d'apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre. J'apprends comment le prophète, il a invité à Allah et je dois inviter que de cette manière. Yani, anta tata'allamu d-din. Hein? أنت تتعلم الدين وأنا أتعلم هذا الدين كذلك ما علمته علي أن أدعو إليه. Ce que j'ai appris, je dois inviter à ce que j'ai appris. Mais je dois inviter à ce que j'ai appris par ordre prioritaire, comme lui il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. J'invite pas à ce qui me plaît. J'invite pas à ce qui me plaît. ماشي عجبتني قصة مثلا عجبتني قصة في القرآن نجي نحكيها لكم. Donc ça m'a plu. Il y a une belle histoire dans le Coran qui m'a plu, donc je viens vous la raconter. Non, c'est une partie de la religion? Oui, c'est une partie de la religion. Est-ce que je suis toujours musulman si je fais de cette manière? Je suis toujours musulman si je fais de cette manière. Mais est-ce que je suis dans manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça quand vous entendez à l'extérieur al-manhaj al-minhaj, la voie, et ainsi de suite. C'est ça. Est-ce que je suis en train de suivre la voie quand je fais de cette manière? Ah ben là, je ne fais pas, je ne suis pas la voie. Ana la attabi'u manhaj an-nabi fi hadhihi at-tariqa. Mais c'est de l'islam. Oui, c'est de l'islam. Je suis musulman, mais je ne suis pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la subtilité, c'est fin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le hadith de An-Nu'man radiyallahu anhu, comme c'est dans Al-Arba'in An-Nawawiyya et comme c'est chez Tirmidhi rahmatullah alayhi wa ghayruh, al halal bayyin wal haram bayyin. Le licite il est clair et l'illicite il est clair. Mais il y a quelque chose de plus important qu'il a évoqué. Qu'est-ce qu'il a dit entre les deux? Hein? Qala wa ma baynahuma umurun mushtabihat. Et entre ces deux choses-là, le licite et l'illicite, entre les deux, il y a des choses équivoques. Regardez et concentrez-vous sur cela. C'est très important. Toute la communauté musulmane aujourd'hui, elle est en train de nager. Elle est en train de se faire noyer qu'à partir de ce mot-là. Wallahi al-azim, qu'à partir de ce mot-là. قَالَ وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ثُمَّ مَاذَا زَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال لا يعلمهن لا يعلمهن كثير من الناس. Beaucoup de gens ne les connaissent pas, ces choses équivoques qui portent à ambiguïté. Et c'est là où la majorité de ces gens-là, ils viennent vers toi en te disant ya subhanallah, هذا مش مسلم هذا يقولون بلي ما راش يقول نيشان. Vous dites que cette personne-là, elle dit pas juste. Il n'est pas musulman? Si, il est musulman. Et comment ça se fait que vous dites qu'il ne faut pas l'écouter, ou il ne faut pas écouter de cette manière, ou il ne faut pas écouter telle personne? Comment ça se fait? Parce que le prophète, il a dit « وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَأَنْتَ مِنْ بَيْنِهَا أُولَئِ الْكُثُرُ. Et toi, tu fais partie de ces gens-là qui sont
كثير من الناس, Prophet صلى الله عليه وسلم a dit. Toi, tu fais partie de cette majorité des gens qui n'arrivent pas à voir l'ambiguïté. Al-halal ou bayin, t'arrives à voir le halal. Ou al-haram ou bayin, t'arrives à voir le haram. Bayin, c'est clair, limpide. Tu arrives à le voir. Wa ma baynahuma, et entre les deux, umurun mushtabihat, des choses équivoques qui portent à ambiguïté. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa shubuhati, celui qui évite les shubuhat, faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Celui qui évite ces shubuhat là, et on va inchallah expliquer ces hadith là quand on va commencer dans le hadith al-sharh al-arba'un an-nawawi inchallah, quand on va commencer à faire l'explication des 40 hadiths chez an-nawawi rahmatullah alayh, on va sûrement expliquer celui-là. Qala faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi ila akhir al-hadith. Cette personne là, en vérité, elle s'est réfugiée, elle a préservé sa religion et son honneur quand elle évite les shubuhat. لهذا الإنسان إذا أراد أن يسمع كلام الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والداعي غدا أنت تدعو إلى الله جل وعلا, et l'invitateur et le prédicateur demain c'est toi qui vas inviter Allah, ben sache où tu vas, sache où tu vas. Je répète des paroles, j'essaye de me concentrer à sortir que des paroles justes. Sachant que je suis un être humain, je peux me tromper. Mais j'essaye de sortir que les paroles sur lesquelles les savants ils se sont focalisés. Par exemple, en disant ce qu'il a dit le cheikh grand savant, Salih Fawzan al-Fawzan, les musulmans, ils sont beaucoup. Al-Mutadayyinuna kuthur. Les religieux, ils sont beaucoup. C'est vrai qu'ils sont dans la religion. Ils ont une religiosité. ولكن الذين على المنهج قليل, et ceux qui sont sur la voie ils sont peu. Maintenant la question qui se pose, subhanallah, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire, musulmans, manhaj, et on n'est pas tous pareils. On a évoqué le hadith l'autre fois, si vous vous rappelez, يعني ذكرنا الحديث في المرة السالفة إن كنتم تذكرون وستفترق أمتي سين المستقبلية في الإعراب. Grammaticalement on dit le signe, c'est le signe du futur. قَالَ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ. Et ma communauté, elle va se diviser dans le futur en 73 groupes. Il l'a dit. Et aujourd'hui, on y est. Hein? Aujourd'hui, on y est. قَالَ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Toutes ces sectes-là vont rentrer en enfer. Nas'alallah lana wa lakum al-afiyah. Illa wahida. Sauf une secte. Un groupe plutôt. Un groupe qui ne va pas accéder à l'enfer. C'est des musulmans les autres? Oui, c'est des musulmans. Oui, c'est des musulmans. Il n'a pas dit qu'ils vont rester éternellement. Mais ils vont, par rapport à ce qu'ils ont rapporté de nouveau, ou par rapport à ce qu'ils ont diminué, bah à ce moment-là, ils vont prendre leur châtiment. Nas'alallah al-afiyah. Et donc, il a dit, قالوا, من هي يا رسول الله? C'est qui ce groupe-là? من هي هذه الفرقة? C'est qui ce groupe? On veut en faire partie. Et c'est une question aussi logique. قال من ما عليه أنا اليوم أو على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. C'est celle qui sera sur ce que aujourd'hui, دين ما يتبدلش, la religion ne change pas. C'est celle qui sera sur ce que moi, aujourd'hui, je suis. Et il ne s'est pas arrêté. Et aussi mes compagnons. C'est celui qui me suit, comment moi je suis aujourd'hui. Et qui suit aujourd'hui mes compagnons, comment ils ont décidé aujourd'hui et demain après ma mort. Alayhim radiallahu anhum. Donc c'est comme ça que tu peux te garantir la voie prophétique. Wahada. Et ça, c'est un fondement parmi les fondements de la sunna. Les pieux prédécesseurs, ils ont carrément écrit une charte, un traité. Min baynaha ma katabahu al-imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, imam ahli sunna wa akhir al-a'immati al-arba', wa akhir al-a'immati al-arba'. Parmi ce qu'ils ont écrit, c'est que l'homme, il doit suivre
Le croyant doit suivre impérativement et il n'a pas le choix. Si tu veux rentrer avec eux, tu es obligé de suivre ce que le prophète avait dit, avait cru et avait approuvé, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Un seul chemin. قال جل وعلا ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آية واحدة تكفي. Un seul verset, c'est très suffisant pour celui qui cherche la vérité. Comme il a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Il a dit, une personne qui cherche la vérité, dès que tu lui rapportes un verset ou un hadith, c'est bon, il est rassasié. Et la personne qui est malade dans son cœur, tu lui donnes tous les versets, tous les hadiths, il y a toujours oui mais, oui mais. Il y a toujours le oui mais. Allah tabaraka, c'est pas le 8, hein. C'est pas 8, 9, 10 mais. C'est oui, voilà, na'am walakin, oui mais. Donc Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ. Celui qui se diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يُشَاقِق, أي الشِّقَاق, c'est la division avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il ne suit pas son chemin. Il dit, je suis musulman, mais voilà, je ne suis pas obligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait et tout. C'est trop pour moi. Hein? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il suit, il ne suit pas le chemin des croyants. Là, les croyants, Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, wa Ibn Jarir al-Tabari, rahmatullahi alayhi, قالوا, يعني فيما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم, سبيل المؤمنين, أي سبيل الصحابة رضي الله عنهم. سبيل المؤمنين, أي سبيل الصحابة رضي الله عنهم. Ils ont dit, سبيل المؤمنين, سبيل, c'est le sentier, c'est le chemin, c'est la voie. المؤمنين, là, il veut dire Allah tabaraka wa ta'ala, d'après les tafsirs, les interprétations des compagnons, ils disent que c'est le chemin des compagnons. Celui qui se diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne suit pas le chemin des compagnons. Hein? Celui qui se diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Et il a su la vérité et l'a guidé. Et il ne suit pas le sentier des compagnons. Nuwallihi ma tawalla. On va lui donner ce qu'il va recevoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'immense. Quand Allah ne cite pas la manière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il te dit pas la chose, ça veut dire qu'elle est énorme. Hein? Quand il te dit al-qari'atu mal-qari'ah, al-qari'ah, le tracas, et qu'est-ce que le tracas? Il ne te dit pas le détail. Wa ma adraka mal-qari'ah. Et qu'en sais-tu par rapport au tracas? Il te pousse à réfléchir, mais en vérité, il te dit, c'est tellement grand que tu ne pourras jamais comprendre. Il faut le voir. Hein? Il veut te dire que c'est tellement grand que tu ne pourras jamais le comprendre. Et là aussi, il veut te dire, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ. Il recevra ce qu'il recevra. C'est-à-dire, c'est immense ce qu'il va avoir comme châtiment. قال, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ. Deux, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. La même chose, mais il te le dit d'une autre manière. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ. Et il va recevoir جَهَنَّمْ, la جَهَنْ, l'enfer. Et quel malheur comme fin. C'est quoi sa cause? Sa cause, c'est juste qu'il était musulman, mais il n'a pas suivi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Mais il est où le mal en cela? Il est quand même musulman. C'est ce que la question logique, elle va se poser. Il est où le mal? On n'arrive pas jusqu'à maintenant à voir le mal. Fais-nous voir c'est quoi son mal qu'il a fait. Il est quand même musulman, il croit en Allah, il prie et tout. Je vais vous dire c'est quoi le mal. Le mal, il est aussi expliqué par un autre hadith rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam yunada hatta yawm al-qiyamah hatta yashraba min al-hawd.
ونسأل الله جل وعلا أن يسقينا الشربة مع نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض. Le jour où le prophète صلى الله عليه وسلم il sera invité à boire du bassin, hein, le fameux bassin. Vous savez très bien que tout le monde aura soif ce jour-là. يوم القيامة يوم يعطش فيه الناس كلهم. Tous les gens ils vont avoir soif. فيعني كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأتيهم بكبد الحوت. Allah va ramener aux croyants la nourriture et de la boisson. La boisson, ça sera le bassin. Et la nourriture, ça sera le foie d'une baleine, d'un grand poisson. Hein? Le foie d'un grand poisson. Kabid al-hout. Le foie d'un grand poisson. Et donc, ils vont manger de ce foie-là. Il y a le kibdat al-hout, yom al-qiyam al-mu'minin. Ou il shurbu min hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi. Le prophète, il va appeler tous les croyants. Comment on a dit dans l'autre hadith? Vous voyez un hadith qui explique un hadith. C'est une chaîne chronologique, subhanallah. Comment on a dit l'autre fois, comment le prophète, il va savoir et connaître et reconnaître les croyants le jour de la résurrection? Il va les reconnaître à travers les traces de wudu. Ils vont venir pour boire. Ça, yakfi. Moumini. Hein, c'est des croyants. Ça suffit. Donc, ça veut dire qu'ils priaient. Ça veut dire qu'ils faisaient leur ablution. Alhamdoulilah, khayr. Mais regarde là, regarde. Écoute bien. Quand ils commenceront à boire, les anges, ils viennent et ils les attrapent et ils les virent. Ils les poussent d'une manière très dure. Fayaqoul un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, vous le connaissez, mais peut-être vous ne connaissez pas son explication. Ce hadith. Quand il va les repousser, le prophète sallam, il va avoir une pitié. Et c'est logique aussi, parce que c'est des croyants. Hein? Le Nabi sallam, يعني, يحن قلبه عنهم. فيقول ربي أمتي أمتي. Oh Allah, ma communauté, ma communauté. أمتي عهد يا ربي. عبدوك صلى شوف الأثر وضو عرفتهم. فيقول له الله جل وعلا يا محمد او محمد انك لا تدري ما احدثوا من بعدك الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما او محمد tu ne sais pas ce qu'ils احدثوا من كلمه الحديث والحديث معناه هو الجديد احدثوا c'est حديث et le hadith veut dire le jadid le nouveau. La nouveauté, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi, ya Muhammad. C'est des musulmans? Oui, c'est des musulmans. Mais ce qu'ils ont innové après toi, toi tu ne sais pas, tu étais mort. Moi je sais. C'est des musulmans? Oui. Ils ont fait la prière? Oui. Ils suivent d'une manière apparente la sunna? Oui. Mais ils ont rapporté des choses nouvelles. Et ce n'est pas à toi, ya Muhammad. C'est à moi cette religion. Anarab. C'est moi le Seigneur. C'est moi qui décrète. C'est moi qui dis c'est bon et c'est pas bon. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va dire? Justement parce qu'il est soumis à Allah et parce qu'il est jaloux pour Allah et parce qu'il aime sa religion. يقول فيما بعد سحقا سحقا. Qu'il soit écrasé, qu'il soit écrasé. Je veux pas d'eux. يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il se désavoue d'eux le jour de la résurrection. Maintenant, chose qui vient à la tête, ça veut dire la prière toute seule, mon frère, ça ne suffit pas. La barbe, ça ne suffit pas. Qiyam al-layl, ça ne suffit pas. Il se peut que tu aies peu de tout cela. Tu fais que tes obligations. Que ton ramadan, que ton hajj, c'est-à-dire le peu. Mais dans la voie, tu es clair. Hein? Dans la voie prophétique, tu es clair. Ça te suffit. Alors qu'il y a des gens qui font salat al-duha, qui font beaucoup de tasbih, qui font beaucoup de sadaqa. Et ça, c'est quelque chose d'immense, de masha'Allah. Hein? Mais dans la voie, c'est pas l'islam. La voie prophétique, ils l'ont pas prise claire. Et donc, il y a une distinction qu'on doit faire. C'est ce que beaucoup de frères et de sœurs et de pères et de mères, ils n'arrivent pas à voir. Ils te disent, subhanallah, où est-ce qu'il y a dans le jama'a? Allah, il y a dans le Coran.
Hein? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de lire le Coran. Ou c'est un musulman comme toi. Qu'est-ce qu'il fait de mal? Je ne vois pas le mal. Rappelle-lui le hadith. وَمَا بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Et entre les deux, il y a beaucoup de choses équivoques qui portent à ambiguïté, que beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître. Comment tu pourras reconnaître une fois tu auras la lumière, la torche? C'est quoi la lumière? Al-ilm, la science. C'est à partir de là que tu pourras voir les veines de cet islam. Tu pourras faire cette chirurgie ou assister à la chirurgie. Et plus tu as du ilm, et plus tu arriveras à détecter. Et moins tu as du ilm, et jamais tu pourras voir. Tout ce que tu vois, c'est le bien. Oui, on dit khayr. C'est un khayr. Attention, il ne faut pas renier ça. C'est un khayr. Beaucoup de frères aussi disent, non, non, ça, c'est pas un khayr. Si c'est un khayr, il est meilleur qu'avant. Il était non-croyant, il est devenu croyant. C'est clair que c'est, il est meilleur. Mais aujourd'hui, cette pâte-là, tu ne peux pas la manger. Tu ne peux pas la manger. Elle n'est pas encore cuite. Ben, il faut qu'elle soit cuite. Il faut qu'elle soit faite de la meilleure des manières. Pourquoi la meilleure des manières? Donc il y a plusieurs manières. Oui, il y a plusieurs manières. Comme on a dit, il y a plusieurs dogmes. Tout le monde, je vous prends exprès tout le temps le même exemple parce qu'il est très flagrant pour que vous réussissiez à comprendre la logique. Ash-Shi'a muslimoun ou l'amchi muslimin? C'est des musulmans. Shi'a. Muslimin. Hein? Mais personne ne peut dire qu'ils sont mashallah dans la voie et tout. Hein? Personne ne peut le dire. C'est parce que c'est flagrant. Ah ben, au-dessous de Shi'a, il y a aussi d'autres que vous ne connaissez pas. Et donc, Shi'a, ils ont une aqida ou ils n'ont pas de aqida? Ils ont un dogme ou ils n'ont pas un dogme? Ils ont un dogme. Ils apprennent eux aussi et tout. Hein? Mais toi, dès que tu vois le fait qu'ils commencent à se taper, ils font couler le sang derrière leur dos, hein, dans leur dos, déjà que là, tu dis, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont appris cela? C'est des fous. Depuis quand notre religion nous dit de faire ça? Al-fitra salima, ta nature saine, elle refute cela. Hein? Tu ne peux pas me dire à ce moment-là, non, 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 arrête, tu es en train de nous faire la division, non, non, c'est nos frères, masha'Allah. J'aimerais bien qu'ils m'invitent un jour que je fasse comme eux et pourquoi pas et tout. Tu peux pas dire cela. Pourquoi tu peux pas dire cela? Parce que tu sais que c'est pas la voie prophétique. Elle est claire pour toi. Tu sais pourquoi elle est claire pour toi? Car elle est très flagrante. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas flagrantes. Eh ben, c'est le fait qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas flagrantes que toi, à ce moment-là, tu n'arrives pas à détecter. Tu n'arrives pas à détecter. Mais quand le savant il te dit attention, ben fais attention. Parce qu'il a passé toute sa vie justement à décortiquer ces choses-là. D'où l'importance de s'attacher aux savants de la sunnah. D'où l'importance de s'attacher à ulama al-sunnah. Ulama al-sunnah qalil. Sofiane al-Thawri, rahmatullahi alayhi. Celui dont on a parlé cela fait 2 jours, eh ben lui, il disait « Ya ahla sunnah istawsu bi ba'dikum ba'da khayra fa innakum qalil. » Oh, vous les gens de la sunnah, prenez soin de vous entre vous. Prenez soin de vous, car vous êtes très très peu. Il n'a pas dit, oh vous les musulmans, prenez soin de vous, car vous êtes peu. Les musulmans, ils sont beaucoup. Mais les gens qui suivent la sunna prophétique, ils sont peu. Persécutés de partout. Tu vois? C'est pour ça que tu trouves les gens de la sunna, je ne dis pas les sectes, telle secte, elle est contre lui. Telle secte, elle est contre lui. Telle secte, elle est contre lui. Tout le monde est contre lui. Tout le monde. Vous voyez? Parce qu'elle refute tout le monde. Elle dit à tout le monde, attention, vous n'êtes pas dans la sunna. Toi aussi, tu n'es pas dans la sunna. Toi aussi, tu n'es pas dans la sunna. Et avec quoi ils disent cela? Avec de la passion? Non, ils le disent avec ilm. Ils le disent avec basira. Ils le disent comme Allah, il leur a ordonné. Hein? Comme Allah, il leur a ordonné. وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah, il nous a ordonné à parler avec les gens du livre et non pas les musulmans. Les gens du livre avec une belle manière. Qu'est-ce qu'on va dire d'un musulman? Hein? Tu dois vraiment lui parler avec douceur et lui dire non, c'est pas comme ça, ainsi de suite. Quand tu vois qu'il est têtu et toi tu as du ilm et tu es écouté par beaucoup de gens, à ce moment-là tu le refuses d'une manière
haute voix en plein public, et ainsi de suite. Al-Muhim, ça, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna, comme quoi ils doivent suivre al-aqida al-sahiha. Ils croient en ce que le prophète il a cru avec détail. Avec détail. Parmi ce qu'ils croient, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Min bayn ma ya'taqidun huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas me dire, et qui ne croit pas parmi les musulmans en Allah tabaraka wa ta'ala? Hal yujad muslim la ya'taqidu fi Allah jalla wa ala? Est-ce qu'il y a un musulman qui ne croit pas en Allah? Hein? Là, كل المسلمين يعتقدون في الله جل وعلا. ولكن أي رب يعتقدون فيه؟ Quel genre d'Allah ils sont en train d'y croire en lui? مثلا ينقل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه مناظرة بين ابن تيمية رحمة الله عليه وعلماء الكلام في عصره. ابن تيمية رحمة الله عليه il a eu un débat avec tous les savants de son époque, tous en même temps en face de lui. Et le roi, le calife, à cette époque-là, il était en sa présence. فبدأوا في الكلام. Ils ont commencé à parler. Ils vont discuter du dogme. Il y a un gros problème à cette époque-là de dogme. Un grave problème. Même des savants pieux de la sunna, ils ont été touchés. Même des savants pieux de la sunna, ils ont été touchés. Et c'est pour cela que les savants, ils disent, on leur cherche les excuses. Parce que 99% de ce qu'ils ont donné, c'est que de la sunna. Donc, on comprend que ça, c'était une ambiguïté pour eux, car à cette époque-là, les gens forts dans la science de la parole, ilm al-kalam, ils étaient présents. Parmi ces grands savants-là de la sunna, il y a Ibn Hajar al-Asqalani, rahmatullahi alayhi, et il y a al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, et il y a al-Qurtubi, rahmatullahi alayhi, et il y a Abu Hamid al-Ghazali, rahmatullahi alayhi. Il y a pas mal de savants de sunna. Il y a Suyuti, rahmatullahi alayhi. Il y a Sabuni, rahmatullahi alayhi. C'est des savants de la sunna. La majorité de ce qu'ils ont donné, c'était que de la sunna. Mais parce qu'ils ont vécu avec aussi d'autres gens qui étaient puissants dans la parole, la science du kalam, ils ont été influencés à ce moment-là. Ils ont été influencés. Al-Muhim. Nahnu nabhathu an al-sawab. Nous, on cherche la vérité. Ils ont commencé à parler dans l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne n'a renié son existence. Les deux parties, Ibn Taymiyyah et les autres. Personne n'a renié son existence. Par contre, eux, ils ont dit, Allah, il n'est ni là-haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni derrière, ni devant, ni dedans, ni dehors. Le calife lui-même, il a dit, Subhanallah, Ya'buduna Adam. Il a dit, gloire à Allah. Ces gens-là, ils adorent, on dirait un néant. Vous avez compris? Un néant. Il est où ton Seigneur? Comment ça se fait? T'adores un Seigneur que tu ne sais pas il est où? Tu nies et tu renies les versets, tu renies les hadiths authentiques, à cause de quoi? À cause de ton cerveau. Quand je dis ton, c'est pas vous les frères. Hein. Tellement j'imagine la scène, je me vois en face de ces gens-là, quand je dis ton. Et donc, à cause de leur cerveau, à ce moment-là, mes chers frères, bien avant, il y a eu une science venue de la Grèce, je vous ai dit. Rappelez-vous, ça c'est des choses mères que vous devez apprendre et incruster dans vos cœurs. Cette science-là, ce que nous aujourd'hui on appelle al-falsafa, la philosophie. Et à cette époque-là, comme elle a été liée à la religion, ils appellent ça ilm al-kalam, la science de la parole, al-kalam, takallum. C'est-à-dire,
Je te parle de ce camis-là, exemple, je te dis ça, c'est quoi? Ben, tu me dis un camis, je te dis non, c'est pas un camis, c'est un vêtement. Oui, ben c'est clair, non, attends, parce que le camis est divisé en deux parties. Il y a camis comme ça, il y a camis comme ça. Et ceux qui sont comme ça, ils viennent de tel pays. Ils sont divisés en quatre parties. Les quatre parties, le premier est divisé en 10. Les 10 sur une divergence. Et je te fais sortir. Ça, c'est ilm al-kalam. Jusqu'à ce que tu n'arrives plus à m'attraper. Tu n'arrives plus à me cerner. Et c'est comme ça que les gens d'avant, ils se faisaient influencer par les savants de l'kalam de cette époque-là. Parmi eux, Bishr al-Marisi. Un grand Mu'tazili. Hyper intelligent. Tout le monde dit qu'il fait partie des plus grands intelligents du monde. Du monde, pas des Arabes. C'est une icône, Nabira. Très, très intelligent. Il dépasse la normale. Comme je vous ai dit, chef, et déjà, il dépassait la normale en lisant un seul livre. Comme ça, il l'apprenait par cœur, sans avoir la volonté de l'apprendre par cœur. Il l'apprenait par cœur, mot par mot. Eux, ils étaient encore pires. Et c'est par rapport à leur grande intelligence, leur grande influence, qu'ils ont réussi à ce moment-là à prendre la majorité des gens avec ilm al-kalam. Et c'est eux qui ont créé cette nouvelle bid'a, cette nouvelle innovation qui est Al-Qur'an. Tu dis que Allah il est créateur. Oui, Allah il est créateur. Rabbi huwa al-khaliq. Na'am, Rabbi huwa al-khaliq. Ou ga'li min tahat Rabbi makhlouq. Na'am, ga'li min tahat Rabbi makhlouq. Allah c'est le créateur, oui Allah c'est le créateur. Et tout ce qui est mis à part Allah, c'est une créature. Oui, tout ce qui est mis à part Allah est une créature. Tout, oui. Et il t'attrape le Coran, il te dit, dans ce cas-là, ça c'est une créature. Et toi, comme tu n'as pas de savoir, tu dis, oui, pourquoi pas? Ça veut dire que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, puisque c'est une créature. C'est-à-dire, après... Il a décrété Allah Azza wa Jal de dire cette parole. C'est-à-dire, elle n'était pas en lui. Et nous, toi et moi, la parole, le clam, ma'alabali shwashradingulana demain. Je ne sais pas ce que je vais dire demain, moi. Personne ne sait ce qu'il va dire demain, exactement. Hein? Mais Allah tabaraka wa ta'ala, walillahi al-mathalul a'la. Allah, il a le meilleur exemple. Il sait ce qu'il va dire d'ici 10 000 années. Il sait ou il ne sait pas? Subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait. Le Coran est un attribut parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car la parole d'Allah est un attribut parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-kalamu, sifatun min sifatillahi, jalla wa ala. Yatakallamu kayfa sha' mata sha' kama sha'. Allah, il parle comme il veut, quand il veut, où il veut. Et Allah, quand il avait décrété de dire cette parole à ce moment-là, il l'a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne des compagnons, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, est-ce que ça c'est la parole d'Allah ou pas? Est-ce que c'est une créature ou pas? Hein? Et donc moi je vais les suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Une fois eux ils sont morts, la première génération, personne n'a sorti cette parole. Hein? Les meilleurs des gens, les meilleures époques sur l'humanité, c'est mon époque, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Trois époques, trois générations. Les meilleures des époques, c'est les trois premiers siècles. Deuxième siècle, il est passé. Troisième siècle, il est passé. Quatrième siècle. Cinquième, ils ont commencé à sortir cette nouvelle parole. Al-Kayf, le comment. Ce que l'imam Malik, rahmatullah alayhi, on a dit, il a refuté. C'est le comment qui fait que l'homme, il devient un mubtada. Ya'ni, su'al anil kayf, c'est poser la question de comment. C'est ce comment-là qui te pousse à vouloir dominer l'information avec ton cerveau. Et le cerveau, il n'a aucun lieu quand Allah, il décrète quelque chose. Ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'aql, la dakhla lahu, idha ja'a qawlullahi jalla wa ala bil amr, ou ja'a qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam bil amr. L'aql, la dakhla lahu. Le cerveau, on le laisse à part. On ne peut pas cerner toute la religion et tout ce que Allah veut et il aime avec le cerveau. C'est pour cela qu'on l'a appelé
l'islam, la soumission. Car le cerveau, il ne peut pas expliquer le tout. يعني تنقاد وتخضع لربك جل وعلا. تستسلم له. Hein? تستسلم له. Tu te soumets à ce que Allah il t'a dit et puis c'est tout. Il a dit Allah qui a le jour de la résurrection une balance. On dit une balance. On arrête de dire, c'est parce que eux ils disent ça. On arrête de dire, non, il ne veut pas dire que c'est une balance comme toi tu l'as comprise. Attention, les témoins de Jéhovah aussi sont comme ça. Hein? Les chrétiens aussi, ils sont comme ça. Les interprétations. Ils cherchent des interprétations. Pourquoi tu cherches interprétation? Pourquoi tu te rends la tâche et la religion difficile à chercher l'interprétation? Allah t'a dit qu'il parle. Pourquoi toi tu vas jusqu'à dire non, il ne parle pas? Peut-être qu'il voulait dire autre chose. Comme aujourd'hui, parmi les gens qui sont aujourd'hui pires que des mubtadi'as, qui sont connus aujourd'hui sur l'internet, ils font un ravage à nos frères musulmans et à nos sœurs, et il a une manière d'éloquence très très attirante, et il leur plaît parce qu'il rapporte des histoires et des choses politiques. C'est ce qu'ils appellent le Imran Hussein. Hein? Nazareth, je ne sais pas comment il s'appelle, l'Indonésien. Il est très dangereux. Très 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 dangereux. Nous ne l'écoutez pas, du tout. Tous les savants, ils l'ont interdit. Ils donnent des interprétations, ce n'est même pas comme ces gens-là d'avant. C'est qu'il n'y a personne avant lui qui a dit cette parole. Personne avant lui, il a dit cette parole. Il n'y a que lui qui dit. Que lui qui dit. Et il n'a même pas une manière des savants. Moi, je vous dis attention à ces gens-là. Attention à l'Internet. La religion, ce n'est pas l'Internet. Sauf si vous êtes sûr que c'est un savant, c'est lui qui est en train de dire cette parole, ou c'est un site très surveillé par les savants ou par les tollab ilm et ainsi de suite. Attention. Et donc, ces gens-là, ils cherchent des ta'wilat, hein? Ils cherchent des interprétations. En disant par exemple, l'antéchrist, le Messie, le Dajjal, c'est pas ce que vous avez cru. Vous n'êtes pas intelligent. Moi, je suis intelligent. Vous n'avez pas compris. Tous les grands savants avant lui, ils n'ont pas compris. Il n'y a que lui qui a compris. Il veut dire que c'est un pays. Un pays qui ne marche pas bien, je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça veut dire qu'il a un œil qui ne marche pas bien, ainsi de suite. Il a dit que c'était l'Angleterre, et ainsi de suite. Gog et Magog, c'est la Chine, et je ne sais pas quoi. C'est du mensonge. لم يستند لا على حديث ولا على كتاب ولا على سنة ولا على أقوال أئمة الأربعة ولا على أقوال الذين عاشوا من قبلنا ولا شيء. Que de sa tête, que de sa conjecture. إذن هذا الإنسان مسلم ولكنه خرج عن السنة. Cet homme-là, il est musulman, mais il est sorti de la voie prophétique. Il ne le suit pas. يتأول. إذن أول شيء إنسان يحذر التأويلات. Faut faire attention aux ta'wilat, aux interprétations. Il n'y a pas d'interprétation. L'interprétation, c'est ce que le professeur Samuel a dit, ce que les compagnons ils ont dit, ce que les quatre écoles elles ont dit, et ce que ceux qui sont pieux, connus et reconnus depuis toujours, ils ont dit. Là, on est à awal. Allah yatakallam, Allah yatakallam. Allah il parle, oui, Allah il parle. Comment il parle? On ne sait pas. Kalam, yaliku bi jalalihi. Il parle une parole qui va avec sa magnificence, avec sa majestuosité et avec sa gloire, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah, il a un visage? Oui. Pourquoi? Il l'a dit dans le Coran. Je ne peux pas nier ce que lui, il a dit de lui-même. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, yadhkur fi hada, le traité, dans ce traité-là, yadhkur أن أهل السنة والجماعة لا يتأولون صفات الله جل وعلا بل يمروها كما جاءت. Les gens de la sunna qui suivent la sunna, ils n'interprètent en aucun cas les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils les font passer comme elles sont venues. Allah il a un trône, il s'est établi sur son trône, Comment? On ne sait pas. Allah il parle? Oui, il parle. Comment il parle? On ne sait pas. Est-ce que c'est comme moi? Non, c'est pas comme moi. C'est pas comme moi. Pourquoi c'est pas comme moi? Parce que laïsa kamithlihi shay'a. Wa huwa as-sami'u al-basir.
c'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Even il a akhirah. Allah lahu asabi'. Est-ce que Allah il a des doigts? Oui, il a des doigts. D'où on a su ça? Hadith Bukhari ou Muslim. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais j'aime pas dire ça. Non, tu dois dire cela parce que c'est ton prophète qui te l'a appris et c'est un dogme. Tu es obligé de faire connaître aux gens qui est Allah. Hein? Inna quluba al-ibad bayna usbu'ayn min asabi' ar-rahman yuqallibuha kayfa sha'. Certes que les cœurs des gens, ils sont entre deux doigts, parmi les doigts du miséricordieux, il les change, c'est-à-dire il change ces cœurs-là comme il veut. Comment? Allahu a'lam. C'est en fait c'est le comment qui pousse l'homme à s'égarer. يعني إذا سألت عن الكنه الكنه هو الذي يدفع بك إلى الخطأ. C'est la question du comment qui te pousse à t'égarer. فالحذر الحذر يا إخوتي الكرام. Attention, attention par rapport à ce sujet-là. قال رحمة الله عليه هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد. أكرر. قال هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد. هو الصمد تقرؤون كلكم قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ Vous lisez tous قل هو الله أحد الله الصمد. Que veut dire الصمد؟ لا يحتاج للخلق ولكن الخلق يحتاجون إليه. نعم. Celui dont on a besoin. نعم. ها نعم. Le. نعم. بارك الله فيك. الصمد هذه قارورة أو زجاجة. Ça, c'est une bouteille. Hein? Chez les Arabes, le summum de la bouteille, ça, chez le bouchon, c'est pas le bouchon, ça. La bouche de la bouteille, on l'appelle dans la langue arabe As-Samadiyya. As-Samadiyya. L'extrémité de la bouteille. L'eau, il monte jusqu'à là. Hein? Allah, tabaraka wa ta'ala, toutes ces créatures partent vers lui avec le dua. Allah tabaraka wa ta'ala, toutes ces créatures, sans exception, êtres humains, iblis, djinn, shaitan, insectes, fourmis, avec Solomon, hein, alayhi salam, fadahik, hein, il a rigolé quand il a vu qu'une fourmi elle s'était mise sur son dos et elle a commencé à invoquer Allah pour la pluie. Hein? Dans le Coran, c'est été écrit comme ça. Dans le Coran, ذكر أن النملة لما خرج سليمان عليه السلام حتى يدعو الله جل وعلا من أجل صلاة الاستسقاء, pour la prière de la demande de la pluie, il a trouvé avant lui qu'il y avait une fourmi. Elle était en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit, Sulaiman? Il a dit, bon, allez, rentrez tous chez vous, c'est bon, la fourmi, elle a invoqué Allah, et la pluie, elle va descendre, et c'était descendu. Al-Hasharat, les insectes, les animaux, tout le monde invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le livre de Da' wa Dawa, dans le livre de la maladie ou le péché et son remède, de Muqayyim al-Jawziyya rahmatullah alayh, c'est écrit, on va le voir inshallah, c'est écrit comme quoi les insectes et les animaux invoquent Allah contre le pécheur. Ils disent, oh Allah, c'est à cause de l'être humain qui a péché que nous aujourd'hui on n'arrive pas à manger de l'herbe. Hein? يعني ذكر أن الحيوانات والحشرات تدعو على بني آدم وتقول هذا جاء من شؤم بني آدم كما ذكر يعني ابن قيم جوزية. Ça, c'est à cause de l'être humain. من شؤم بني آدم. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à manger. وذكر حديث والله أعلم في صحته ولكن معناه حق. Il y a un hadith, je ne me rappelle pas de son degré, de son authenticité. Mais son sens, il est véridique. Il dit, « Laoula atfalun rudda' wa shiyahun rutta'
ورجال ركع لما سقى الله جل وعلا الأرض قطرة ماء لولا أطفال رضع. Si ce n'était pas des nourrissons qui sont en train de boire leur lait, يعني يرضعوا. وكان مشي يعني دراري راهم يرضعوا. لولا أطفال رضع وشياه رتع من الرعية et des brebis ou des moutons, comment on dit troupeaux. Ce n'est pas. Comment on dit chia? Chia, c'est général. Dans chat, il y a comme, voilà, des bestiaux, voilà, c'est plus général. Et si ce n'était pas des bestiaux, qui cherchent à manger de l'herbe, hein? Et si ce n'était pas aussi des hommes, des gens qui s'inclinent beaucoup, c'est-à-dire qui adorent Allah beaucoup, jamais Allah il aurait fait descendre sur cette terre une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Aussi, ça a été rapporté dans le hadith de Abi Hudayf al-Yaman, Ibn Yaman, radiallahu anhu, comme quoi, dans la fin du hadith, comme quoi, وَإِنَّ الْحُوتَ لَيَدْعُو فِي الْبَحْرِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا. Et certes que le hout, le poisson, il invoque Allah dans la mer pour le demandeur de science. Le poisson, il invoque Allah dans la mer pour le demandeur de science. Et qu'est-ce qu'il dit aussi dans le hadith? Il dit وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا. Et même la fourmi dans sa petite demeure, dans son trou, là où elle habite. Aussi elle invoque Allah pour lui. Cela est une preuve qu'en quoi les animaux, ils peuvent invoquer contre toi ou pour toi aussi. Ils peuvent invoquer pour toi ou contre toi. Tout cela, c'est pour dire, au-delà de l'être humain, il y a aussi les esprits qui invoquent, il y a aussi les animaux, il y a aussi les insectes et il y a aussi les malaïkas. يدعون لك أو عليك حتى الملائكة تدعو لك أو عليك هذه من معتقداتنا. Ça, ça fait partie de notre dogme qu'on doit y croire. Mais toutes ces créatures-là, elles partent vers qui? Elles partent vers الصمد. الله تبارك وتعالى قال الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده كمل في سؤدده. Al-Samad, c'est le maître qui est parfait dans le fait qu'il est maître. Comment on dit le nom de maître? En féminin, on dit maîtresse. Le maître, il est parfait dans ça. Ça se dit pas dans sa maîtresse. Hein? Maîtrise. Ah bon? Maîtriser, maîtrise. En tout cas, vous m'avez compris. Le maître, il est parfait dans le fait qu'il est maître. Hein? Il est dans sa perfection, dans le fait qu'il est maître, subhanahu wa ta'ala. Naam? Matière. En ça? Matière. Matière. Oui, mais ça, c'est une expression. Maître. Moi, je voulais un... Suprême. Oui. Maître suprême. Saha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus. Saha. Il est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Saha, ma'ash. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'il est maître. Il est le maître suprême. هذا معنى الصمدية. Ça, c'est le sens de الصمد. وَمَنْ تَصْمُدُ نَحْوَهُ الْقُلُوبُ بِالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ خِصَالِ الْخَيْرِ فِيهِ. Il a dit, et aussi, c'est celui qui, les cœurs, se dirigent vers lui, avec l'espoir et la crainte. الرغبة هو الرجاء. ترغب فيما عند الله من الخير وترهب فيما عند الله مما هو شر لك كالنار مثلا العقاب. Et donc tu espères le bien qui est chez Allah et tu crains le mal qui est pour toi, le mal qui est chez Allah tabaraka wa ta'ala contre toi, comme le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكثرة الأوصاف الحميدة له وهو اسم من أسماء الله الحسنى ورد في سورة الإخلاص. Et c'est un nom parmi les noms d'Allah, les plus beaux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été révélé dans la sourate de la sincérité, al-ikhlas. قل هو الله أحد
الله الصمد ثم بين رحمه الله تعالى puis après il a expliqué رحمة الله عليه في تمام البيت معناه وأن الصمد يدل على أمرين puis à la fin du vers il a donné le sens de ce samad en deux opinions plutôt pas deux opinions mais en deux étapes en deux explications الأول le premier le sens de samad الأول قال عظم صفاته سبحانه وتعالى la magnificence de ses attributs سبحانه وتعالى فهو الصمد لعظم أي لعظم صفاته il est الصمد tout le monde se dirige vers lui tout le monde dit que c'est Allah qui nous donne nos choses tout le monde sait que c'est Allah qui possède toutes les belles choses et tout le monde sait que c'est Allah qui a tous les châtiments tout ce dont on a peur C'est pour cela que tout le monde se dirige vers lui, car il porte les meilleurs attributs, subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَهُ صِفَاتُ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَالْكَمَالِ C'est parce qu'il est magnifique qu'il possède cette samadiyah. الْعَظِيمُ الَّذِي كَمُلَ فِي عَظَمَتِهِ Le magnifique qui est parfait dans sa magnificence. العليم الذي كمل في علمه le savant l'omniscient qui est parfait dans sa science الله عليم يعلم كل شيء كل شيء الحكيم الذي كمل في حكمته le plus sage qui est le plus parfait dans sa sagesse إذا نزلت بك مصيبة si Allah il fait descendre sur toi une مصيبة une catastrophe فَعْلَمْ أَنَّ الْمُصِيبَةَ لَمْ تُصِبْكَ إِلَّا مِنْ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ سَابِقَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى Si tu as été atteint par une catastrophe, sache que cette catastrophe, elle n'est pas descendue comme ça. Elle est descendue que par science d'Allah tabaraka wa ta'ala et par sagesse au préalable. Il sait pourquoi il te l'a donné. إن كنت تقيا نقيا فالله يريد بك خيرا. Si tu es un pieux, masha'Allah, alors sache que Allah veut t'élever les degrés. جاء عند الترمذي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالعبد وهو صابر على ذلك حتى يمشي على الأرض وليس على ظهره خطيئة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, d'après Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, l'homme il ne cesse de subir les problèmes et les soucis, les catastrophes, jusqu'à ce que, c'est-à-dire les épreuves, jusqu'à ce que cet homme-là, il patiente, jusqu'à ce que cet homme-là, il marche sur terre et sur son dos, il n'y a aucun péché. Il meurt chez Allah, clean. Et les hadiths, ils sont multiples. Ça a été rapporté aussi un autre hadith où on lui a dit, « Ya Rasulallah, washawka, et l'épine quand elle te pique ?» Il a dit, « Hatta shawka, même l'épine. » Elle fait partie des catastrophes, des épreuves qu'Allah par lesquelles il t'éprouve. حتى الشوكة كي تضربك هذه ثاني مصيبة صغيرة ولكن مصيبة. الدرس المرض مشاكل الهم ainsi de suite. Ça c'est si tu es pieux. يعني حالك حال الرسل والصالحين والشهداء إلى آخره. Mais si tu es une personne qui pêche, tu sais que tu fais beaucoup de péchés. Oh si c'est une رحمة لك. Hein? لماذا حتى يكفر الله عنك سيئاتك pour que Allah Azza wa Jalla t'épure ici sur terre. Et donc chouf dans tous les cas, il y a une science et une sagesse derrière cela. Il y a une science et une sagesse derrière cela. فإذا كرهك الله جل وعلا نسأل الله العافية et si Allah il te détestera tu fais tous les péchés du monde et il ne te donne aucun châtiment sur terre. الإنسان يحذر
كما قال ابن كثير رحمة الله عليه إذا رأيت نفسك تعصي الله جل وعلا والله يمددك بالنعم فاحذرها فإنما ذلك استدراج كما قال كذلك سفيان الثوري رحمة الله عليه. Si tu te vois en train de pécher et Allah il ne cesse de te donner la santé, le bonheur, l'argent, le travail, la vie elle marche super bien, mais tu te vois en train de pécher, tu connais tes péchés, eh bien sache que c'est un istidraj. Allah il te tire par les pieds sans que tu le saches. قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ماذا فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Qu'il fasse attention ceux qui ne suivent pas son ordre, l'ordre d'Allah, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient atteints par une fitna, une épreuve, une tentation, ou par un châtiment douloureux. Le kafir, il dit, ah ben, si l'homme il fait cela, et il n'est pas atteint par ces deux-là, qu'il sache qu'il est tombé dans un autre verset, où Allah il dit, وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالْإِسْتِدْرَاجِ وَأَنَّ اللَّهَ يَمُدُّكَ وَيَأْخُذُ بِكَ إِلَى جَهَنَّمُ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ. نسأل الله العافية. وَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, c'est-à-dire, et on les prend, l'istidraj min ad-duruj, il te tire, donc il te fait descendre, hein? Il te fait descendre en bas. قال مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, de là où ils ne savent pas. Tu es dans le chemin de l'enfer et tu ne le sais pas. Il n'y a rien qui te prouve que tu es dans l'enfer. Ni tes amis, ni ta famille. Tu n'es pas conscient. Tu es vraiment dans l'inconscience. Vivant, mais mort. Hein? Vivant, mais mort. Il y a une personne qui est dans le haram, dans le haram, dans le haram. Mais il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne voit pas du tout son mal. Hein? Il ne fait pas de prière, il ne vient pas les jumu'ah, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il fume toutes les herbes du manche, même le khobizouik. Il fume tout, il boit tout, il fait tout le haram. Et malgré tout cela, ça c'est sans parler de apprendre et connaître, et on ne parle plus de ça. Et malgré tout cela, il te dit, comme on a dit à maintes reprises, mon cœur il est blanc. Cette personne-là, mais vraiment elle ne sait pas où est-ce que Allah l'a prise. Ah, si ça là, c'est pas évident. Et donc c'est pour cela que l'homme, il doit être strict avec lui-même. Abu Muslim al-Khawlani, rahmatullahi alayhi, min kibar al-Zuhad al-Ubadi, il est connu et approuvé et aimé chez les savants de la Sunna depuis toujours. C'est une référence. Quand il n'était pas éprouvé, il sortait dehors en pleurant. Il sortait dehors en pleurant. Rahmatullahi alayh. Il disait, j'ai dû faire quelque chose pour que Allah ne m'éprouve pas. Je connais mes péchés. Comment ça se fait que Allah ne m'éprouve pas? Et cela ne veut pas dire que l'homme, il doit espérer l'épreuve. Hada kadhalika laysa min as-sunnah. Hada la ya'ni anna al-insan alayhi an yad'u Allah an yu'tihi musiba. La. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma su'ila an hadha al-amr. Le professeur Hassan, quand on lui a posé la question par rapport à ce sujet-là précisément, il a donné la fatwa. Il a donné la réponse, sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْعَافِيَةَ. Demandez à Allah deux choses. الْيَقِينَ, la certitude pour que jamais tu sois égaré. Et quand tu n'es pas égaré, tu ne peux que être un bon musulman. Deuxième des choses, وَالْعَافِيَةَ. Que Allah te préserve. يعني الله يبعد عليك كل مصيبة. كلمتين جامعتين لخيري الدنيا والآخرة. شوف. قال وأوتيت جوامع الكلم. Et Allah il m'a donné le rassemblement des paroles. C'est-à-dire en peu de paroles, je dis tout le meilleur que vous puissiez écrire dans des livres et des livres. Deux paroles, elles rassemblent les deux biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Mieux que toi et moi. Ya Rabbi, khfalli, ya Rabbi, rhamni, ya Rabbi, ouladi, ya Rabbi, draham, khadma, ya Rabbi, khasnidi, khasnidi. Nous, on est comme ça. Le détail. Tu donnes les détails comme si Allah ne savait pas. Il y a un peu de détails. Tu dis ces deux paroles-là,
بإخلاص تكفيك. اللهم إني أسألك اليقين والعافية. ربي يعافيك من كل شر. صحيح تعيش لها بلفي. الله يتدون لها بلفي. العافية واليقين يقين في دينك. واليقين c'est la certitude en ta religion. Allah il t'apprend, il te ramène que des gens bons, il t'explique de la meilleure des manières, t'es au-delà de toute divergence de savants et ainsi de suite, tu comprends tout, t'es attaché au bon savant, ça tu arrives à comprendre toute la religion, tu as un yaqin. Al yaqin c'est la certitude. Allah il te donne la certitude, pas avec les passions comme beaucoup de gens ils disent عندي اليقين عندك اليقين واليقين من جاك هذا يا صاحبي. Comment le yaqin il est venu? Le yaqin il vient avec science. Avec ce que Allah il a dit, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que les compagnons ils ont dit, comme ils ont dit les savants parmi eux, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi fi lamiyatih. Et donc, salallahu alayhi wa sallam al-afiyah. Demandez à Allah le yaqin al-afiyah. Dhakara Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Ibn Taymiyyah il a évoqué une histoire d'un pieux, qui était vraiment un pieux. Il s'appelle Samnoun. Il s'appelle Samnoun. Il était connu par la piété. Tellement qu'il a adoré Allah, subhanallah, connu dans toute la ville. Tellement qu'il a adoré Allah, tabaraka wa ta'ala, قال ربي إني بلغت اليوم من العبادة ما بلغت. Oh Allah, tu m'as facilité aujourd'hui à atteindre un bon niveau d'adoration. Je t'aime, ya Allah. فابتليني بما شئت. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Éprouve-moi par ce que tu veux, ya Allah. Aujourd'hui, tu vas me trouver parmi les gens qui patienteront. Et oui, toi aussi tu dis, moi je vais patienter. Rabbi btanimon seba nusbur, anhabbullah. C'est ce que tu dis. Parce qu'en vérité, ton petit cerveau et mon petit cerveau, on imagine toujours le monseba selon nous ce qu'on veut. Qal, fabtel, Adam Nutaymiya il raconte. Qal, fabtelahu Allahu jalla wa ala bihabsil bawli akramakum Allah. Allah il l'a éprouvé par l'arrêt de l'urine. Hatta ntafakh. Ntafakh. Ma wlach injem hajakum yitayr lma. Fabada yakhruju. Il commençait à sortir en courant et en criant et en pleurant. Ndr. Il a eu trop mal. Les pleurs, les cris et il court. Il peut plus ça, le mal il lui a fait mal à la tête. Ça, c'est très lié. Et les enfants ils couraient derrière lui et ils lui jetaient les pierres. Ils croyaient que lui il était en train de jouer. Hein? C'est un homme. Et lui il était en train de pleurer. قال فمن إخلاصه رفع الله عنه البلاء. Tellement qu'il était sincère, Allah lui a enlevé البلاء. Ibn Taymiyyah, il fait un ta'liq au-dessous. Il rapporte un commentaire, Ibn Taymiyyah, il dit un commentaire. Il dit, c'est pour cela que la justice et la justesse, c'est ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a appris. سألوا الله اليقين والعافية. Demandez à Allah la droiture et aussi qu'il vous enlève toute épreuve. Hein, qui vous préserve de toute épreuve. Ce n'est pas parce que tu es pieux que tu dis Allah, ya Allah, je suis pieux, je peux assumer. Non, on est des faibles. Al-insan da'if. On est des faibles, 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 faibles. Très, très faibles. Donc l'homme, il n'espère jamais. Aussi, dans un autre hadith, aussi, il a dit au Prophète sallam, la tatamannaw liqa al-adou. N'attendez jamais, n'espérez jamais, ne demandez jamais la confrontation avec l'ennemi. Le moumen, mais tu m'en as chéqa l'adou. Ne dites jamais, pourquoi il n'y a pas de guerre? Aïe, j'ai envie d'une guerre à mer. Il y a des gens qui sont comme ça. Il veut vous faire voir qu'en quoi il est courageux. Mais lui, il imagine que la guerre, c'est de loin, il est en train de tirer. Mais le jour où il t'attrape, autant que comment on appelle ça? Prisonnier otage. Et ils font de toi ce qu'ils ne te font pas voir aux médias. La torture et tout, ils sont 20, 30, 100, yajboubik. Hein? Ils font de toi ce qu'ils ont envie de faire. Ah, là-bas, ils ne veulent pas te tuer. Hein? Ils veulent que tu souffres, petit à petit. Et c'est là où tu ne connaîtras plus personne. Tu commenceras à crier à Allah. Hein?
Et c'est là où c'est dur. Et c'est ce que le peuple de David et Goliath, ils ont vécu. Talut wa Jalut. Quand ils ont eu la foi, ils ont dit à Allah, donne-nous la guerre. Tu vas nous trouver, mashallah. Allah, il leur a donné la guerre, mais il leur a donné une belle vie. Ils n'ont pas réussi à quitter leur belle vie et ils ont eu une histoire que vous connaissez dans le Coran. Et dans le mu'min al-taqi al-naqi, le vrai croyant, il croit, il apprend pour avoir la certitude. La certitude, elle ne vient qu'avec des preuves. Et il marche, et tout le temps, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec espoir pour rentrer au paradis, la satisfaction et tout, et avec crainte de ces épreuves qu'il peut te donner ici et l'au-delà. Les gens que Allah les a éprouvés, tu n'es pas meilleur qu'eux. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Rahma min Allah jalla wa ala. Qu'est-ce qui fait que le pharaon il a été éprouvé par la mécréance et toi tu n'es pas éprouvé par la mécréance? Pourquoi toi aujourd'hui tu es ici, tu crois en Allah, tu aimes Allah et l'autre il est à l'extérieur, il est en train de faire le plus grand haram qu'Allah azza wa jalla déteste? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre vous? Est-ce que c'est toi qui es magnifique ou est-ce que c'est Allah azza wa jalla qui t'a guidé? Tu sauras que c'est Allah qui t'a guidé. Eh ben, attache-toi au sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au vrai sentier du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu seras toute ta vie sauvé. C'est pour cela qu'elle a été nommée Al-Firq al-Najiyah, le groupe sauvé. Qala wa thani, le deuxième critère pour lequel il a été nommé As-Samad, anna jami' al-khalqi lillahi tasmudu, ay tafzu'u, لحاجاتها ورغباتها وطلباتها وتلجأ إليه وحده فالصمد يدل على هذين المعنيين وأحدهما مترتب على الآخر. Donc il a dit que le deuxième sens de samad, on a vu le premier sens, c'est quoi? Aïe. Il a les meilleurs attributs, subhanallah, subhanahu wa ta'ala, et il est magnifique dans sa magnificence. C'est pour cela qu'il s'appelle Samad. Allah s'amma nafsah Samad, li'annah 'andah kull as-sifat al-'azima. Lihada s'amma nafsah as-Samad. Wa al-ma'na ath-thani, et le deuxième sens, et l'un rentre dans l'autre, l'un dépend de l'autre, il a dit le Cheikh, l'un dépend de l'autre, wa al-awwal mutarattibun 'ala ath-thani. Il a dit anna jami' al-khalqi lillahi tasmut wa hadha ma sharahnahu anifa. Et le deuxième sens, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, comme quoi toutes les créatures aillent vers lui. Toutes les créatures vont vers lui, subhanahu wa ta'ala. Thumma fi al-lughati al-arabiyya, dans la langue arabe, on a dit anna as-samadiyya hiya qimmatu ash-shay'i wa minhu samadiyyatu al-qarura. C'est-à-dire la bouche de la bouteille. Ça, c'est dans la langue arabe. Attention, tu expliques ça. Tu dis, le cheikh nous a dit, ou le frère il nous a dit, que samadiyya, ça veut dire que Allah, il est là-haut comme la bouche. Non, j'ai pas dit ça. Hein? J'ai dit, dans la langue arabe, c'est très important à retenir. Fait l'ural arabiyya. Ya'ni, mashi istilahan, lughatan. Laysa istilahan, pas religieusement parlant, mais dans la langue arabe. Chez les arabes, as-samadiyya, c'est le summum de la chose. Chez les arabes, dans la langue arabe, as-samadiyya, c'est l'extrémité, le summum de la chose. D'où ils disent samadiyyatul qarura, l'extrémité, la bouche de al-qarura, de la bouteille. Allah jalla wa ala, إذا سئلت عن الله لا تقل كما تقل الفرق الضالة. Si on te demande il est où Allah, ne réponds pas comme les gens, comme les sectes d'avant égarés. Parmi eux, on a dit Bishr al-Marisi, la secte de Mu'tazila et al-Jahmiya et al-Qadariya et al-Jabriya, et puis après eux al-Ash'ari. Ne réponds pas comme eux en disant que Allah, on ne sait pas. D'autres ils disent moi je ne réponds pas. D'autres ils disent, comme aujourd'hui, Allah fi kulli makan. Allah fi kulli makan. Hadhihi aqidah khati'ah dallah mudillah. Tusamma bi aqidati al-hulul.
عقيدة الحلول والذين يقولون بهذا القول هم حلوليون حلوليون. Ceux qui disent cette parole, on les appelle الفرقة حلولية. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة؟ قالوا كما قال جل وعلا عن نفسه. Ils ont dit ce que Allah lui-même il a dit sur lui-même. الرحمن على العرش استوى. وهو القاهر فوق عباده. قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إنا أنزلناه في ليلة القدر الحمد لله الذي أنزل على عبده. الله ليس في كل مكان. الله عال فوق خلقه. الله Il est au-delà de ses créatures. عَالٍ فَوْقَ خَلْقِهِ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ Établi sur son trône. هَذِهِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Allah ليس في كل مكان. Allah ليس معنا هنا. Allah ليس في أكرمكم الله المرحاض. Allah ليس في البيت. Allah ليس في القارورة. لا. Allah عَالٍ فوق خلقه سبحانه وتعالى. ثم قلنا ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه دليلا عقليا فضلا عن النقل. Aussi il a rapporté des dalils de logique au-delà des preuves. Il a rapporté beaucoup de preuves dont une partie qu'on a rapporté maintenant. Et il dit, comme je vous ai dit, pourquoi l'homme, n'importe quel homme, quand il invoque Allah tabaraka wa ta'ala, أي إنسان لما يدعو الله جل وعلا لماذا يرفع يديه إلى السماء؟ علاش ترفع يديك في السماء؟ فطرة خلقك الله وفطرك الله عليها فطرة سليمة. C'est une nature saine sur laquelle Allah t'a créé. إذا تدعو الله هكذا. عمر ولا شفنا واحد حتى كافر. Même un non-croyant. من تتزير عليه يدعي الله. Même un non-croyant quand il est serré, quand il est en plein noyade ou en plein catastrophe, يدعي ربي oh mon Dieu. Oui. Jamais tu trouves faire comme ça, oh mon Dieu, ou oh mon Dieu, ou oh mon Dieu, ou derrière ou avant. Toujours sans faire attention, oh mon Dieu. Toujours il fait عينيه إلى السماء. لأن القلب يعلم يقينا أن الله عال فوق خلقه. Allah il est au-delà de ses créatures. ولكن لا يحله مكان. Allah il n'est pas limité par le temps, ni par le lieu. Et là on est rentré dans le comment. كيفاش ربي عالي فوق خلقه؟ Le comment, on ne le sait pas. Vous voyez? Et c'est là où eux, ils se sont égarés. يعني في الكيف هنا تاهوا وضاعوا وضلوا وأضلوا. C'est dans le comment où eux, ils se sont égarés. Rappelez-vous de ça, c'est très important. Dans le comment, العقل تاعهم ما تقبلش. قال لك كيفاش راك تقول لي بلي ربي في السماء؟ يسمى ربي راه في السماء؟ راه في جهة. Si tu me dis que Allah il est dans le ciel, donc il est dans un lieu. S'il est dans un lieu, donc Allah il est comme nous. Moi je suis dans un lieu et c'est le lieu qui est plus grand que moi. حاشا لله وسبحان الله عما يصفون. Gloire à Allah par rapport à ce qu'ils sont lui en train de donner comme attribut. قال جل وعلا ليس كمثله شيء. Nul, personne, rien n'est comme lui. ولكن لم يسكت سبحانه وتعالى. Mais Allah il ne s'est pas tu après cela. قال وهو السميع البصير. أنت تسمع؟ نعم تسمع. والله يسمع؟ نعم يسمع. هل معنى ذلك أن سمعك كسمع الله جل وعلا؟ Toi tu entends? Oui tu entends. Et Allah il entend? Oui il entend. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui entend tout. C'est lui qui voit tout. Est-ce que pour autant ton entente elle est identique à l'entente d'Allah tabaraka wa ta'ala? Ton lui, il est identique à lui d'Allah tabaraka wa ta'ala. Hasha subhanahu wa ta'ala. Toi tu entends selon ta force. Wallahu jalla wa ala yasma'u sam'an mutlaqa. Yasma'u sam'an mutlaqa. Yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. C'est bon? Toi tu existes. Anta mawjoud. Est-ce que c'est parce que toi tu existes que Allah n'existe pas?
Parce que vous avez partagé le même attribut. هل لأنك أنت موجود إذا الله غير موجود علاش هم نشبهوش قال لك الخلق بالمخلوق. Il faut pas qu'on dise que la créature elle est comme le créateur. Pourquoi? Il faut éliminer une des deux. Et moi j'existe. إذا الله il n'existe pas. Là, moi j'existe et Allah il existe. Moi mon existence elle est selon ma petite personne. والله جل وعلا وجوده يليق بجلاله وعظمته هكذا دائما ننزه الله جل وعلا وهذا موضوع يطول فيه الحديث والحديث فيه ذو شجون ولكن هذا هو الهم الأعظم. C'est ce que vous devez porter le plus dans votre cœur, connaître qui est Allah. نعم connaître qui est Allah جل وعلا. ما كان صوابا من الله عز وجل وحده وما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد في المرة المقبلة إن شاء الله. Aujourd'hui on est quoi, lundi? Mercredi إن شاء الله. يوم الأربعاء بإذن الله.